Dans la vie, il est important de montrer son affection à ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi MTN a créé pour vous MTN Récompense, votre programme de fidélité. Collectionnez les points jaunes chaque fois que vous utilisez les services mobiles de MTN et gagnez de nombreux cadeaux. Tapez étoile 150 dièse pour souscrire au programme. Bienvenue au club MTN Récompense. MTN, every way you go. Bonjour, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle semaine d'Interville Côte d'Ivoire. Depuis un peu plus d'un mois, ensemble, nous partageons des émotions grâce à ce programme de télévision. C'était encore le cas le samedi dernier, lors du Prime de l'opposition Marcory Séguéla que vous avez suivi sur RTI1. Mais avant, nous avons assisté à une séance de répétition. Juste en bas, les bandes ne sont faites par des participants. Je vais le dire pour tout le monde. Pour chaque personne, que ce soit Joël, que ce soit l'arbitre, Yves ou Maria, vous avez tendance à vous tourner vers les personnes à qui vous parlez, ce qui est une erreur. Vous parlez aux téléspectateurs. Donc même si vous parlez à Joël, vous regardez votre caméra, vous ne regardez pas là où est Joël. Pour l'arbitre, c'est la même chose. On ne regarde pas les candidats quand on donne le score, on regarde la caméra, d'accord ? Candidat. Je regarde ma caméra. 3, 2, 1, fini! Les bateaux, je les mets quand les gens sont prêts, il y en a pour 2 secondes. Autant le reste, on va pouvoir le mettre là. Voilà. Ok? Alors, comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. C'est pas mal. On essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Pendant les répétitions, des responsables de l'université Oufouette-Boigny ont rendu visite à l'équipe. On vient de voir. Merci beaucoup. Enchanté, bienvenue chez vous. Mais bienvenue chez vous. Vous voyez, nous sommes contents de vous voir. Vous avez vu le changement? Oui. Il y a les murs là, des champions, donc c'est vraiment des dynamismes. Il y a toujours les cycles, des pièces. Hein. Voilà la sirène là. Salif, ça va? Là-bas, on a fait le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'éléphant. Chaque équipe jaune à droite, bleu à gauche. J'ai mis l'accent sur tout ce qui est local, parce que c'est Interville, certes, mais c'est Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Exactement, pour cette adaptabilité. Exactement. Ça n'a pas été facile, mais il fallait jongler avec les couleurs, leur jeu eux-mêmes, etc. Et c'est une réussite. C'était au tour des Pom Pom Girls de reviser leur chorégraphie. Dès que vous avez votre musique, là c'est votre choré. Ça, vous le pouvez faire ça. Mesdemoiselles, on se présente à nouveau? Nous sommes les Pom Pom Girls. On est venus ambiancer le foyer. Fais bouger le monde. En 2014, restez connectés au meilleur. Bonne année! MTN, every way you go. Dites DJ, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de préparer les mix pour les Pom Pom Girls et puis un maximum de mix pour faire plaisir à la foule qui sera là. Et donc, on se prépare un tout petit peu avant l'enregistrement normal. Et puis voilà. Sachez que ça ne sera pas du jeu, hein, ça sera pas du jeu. Mais on va se mettre à fond parce que cette émission est très importante pour nous. Et c'est un challenge qu'on doit relever tout un chacun ici présent. Tout était quasiment prêt. Au fur et à mesure que nous approchions de l'heure H, la foule affluait sur le site. Tous voulaient participer à l'aventure Interville. Tu es là pour quoi? Je suis là pour assister à l'émission. On peut savoir ce que vous faites ici? Je suis de MTN, supervision générale côté MTN pour Interville. MTN est un sponsor officiel de cet événement, on ne peut pas être loin. Il faut être le plus proche pour voir comment ça se déroule, puis s'assurer que tout se passe bien. Et qu'est-ce que MTN prévoit pour les différents concurrents d'Interville? La base d'Interville, c'est pas de donner des lots. C'est plus pour s'amuser, beaucoup plus convivial. Mais au-delà de cela, MTN met beaucoup de lots en jeu.
vers de nombreux loges pour le public et pour tous ceux qui viendront participer à Interville. Tout était fin prêt. Le public a pris place dans les gradins et l'ambiance commençait à monter. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. À demain, après le journal de 13h, pour la suite des À côté de Marcory, VS Séguéla.